Mbote, 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 bokoto, 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 RDC Monde, Makambo, RDC Monde, la chaîne qui vous informe à temps réel, mesdames et messieurs. Toza, les sous-sous, awa, les lots, les 11. Toza, les 11, toza, c'est la publication, il y a pas résultat, bah député, ezo les gagaté. Ezo simba gagaté. Donc, toi, ébite, qu'est-ce qui se passe? Mais, toza, awa, pour vous informer, mesdames et messieurs, on va aussi en parler dans notre émission, mais Nalinga qui nous informe bien que actualité Zali Makas na mboka na biso ndenge toyaka toujours ko informer bino nyoso batu bozuli bakuya ko landa biso na tongwa lelo. Vous avez la grâce et restez toujours connecté, branchés, scotchés na chaîne na bino RDC Monde Télévision. Bisika nyoso bozwami, que vous soyez peut-être en Europe, vous soyez en Amérique, vous soyez en Asie, en Afrique, un peu partout dans le monde. Donc, soyez là, en tout cas, en train de nous suivre. Merci beaucoup la confiance, Nabino. Merci surtout na Maman Mokambi, Maman Pauline Lumumba Ouazali, Maman Présidente de l'association RDC Monde. Oyo, ezoko sangisaba Congolais, nyonso ya diaspora. Bino, batu bo kotina nou na kati ya association te, bo benga, bo tuna mituna, Pebo Sadere, Nakatia, Association RDC Monde, où est Zaliko Kamba, ma maman Pauline Lumumba. Bana membre Nyonso, Bambo Tenabino et Bele, bonne année, Toko Salagan Dengeto Yokana, donc Bino Boyebin Dengeto Yokana, Moussala Liboso. Donc merci beaucoup. Le sujet d'actualité, l'investiture de Félix Tshisekedi du 20 janvier aura lieu au stade de Martyrs. Ça, c'est le premier sujet. Investiture à Mokondiambo Kaiko Salama le 20 janvier. Et puis c'est bien précisé, Eko Salama na stade des martyrs de la Pentecôte. Voilà. Élections législatives et locales. Instruction au Conseil d'État de 39 dossiers parmi le 39 dossiers parmi les 82 candidats. Alors, ça aussi c'est parmi les sujets qu'on va développer ici. Autre chose, qui quitte. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la population invite le président Félix Tshisekedi à respecter les promesses faites pendant la campagne électorale. Ça, c'est les habitants de Kikwitu, la population de Kikwit, qui manifestent leur joie à l'endroit de la réélection du président Félix Tshisekedi. Mais Bango Basengi Mokondiamboka a respecté ma promesse na yé nyonso o apesa ki na ba congolais bisika nyonso a tamboli pendant période ya campagne électorale. Voilà. À quand la publication de résultats provisoires des députés nationaux et provinciaux pour la République démocratique du Congo? Je veux vous en parler ici dans cette émission. D'ailleurs, c'est le sujet avec lequel que je vais commencer avant d'entrer en profondeur dans le sujet Moussousou. Voilà, à quand la publication, mesdames et messieurs, retenez que la publication de résultats yaba député ezali lobby. Ezali lobby. Ça, c'est une information sûre et certaine que nous avons. Donc, la publication va se faire demain. La cérémonie commence demain à 11h. Il y a une invitation qui nous est parvenue. Mis son compte, il y a RDC Monde Télévision de la part de la CENI. 11h, juste début de la cérémonie. Et début de la cérémonie jusqu'à 15h. Donc, ça commence à 11h jusqu'à 15h. Na 15h, wana toko kende ko lia. Comment il s'appelle encore? Denis Kadima, abongisa li biso mwa cocktail toko beta. Tangu toko zela ba depite, oyo ba bimina ba oba bimite. A la fin, mese Kadima réservé le biso mwa eloko. Ya ko lia. Donc j'ai avec moi l'invitation ici. Précisé, hein. Une invitation avec beaucoup de précision. Demain vendredi 12,
Aujourd'hui, c'est le 11. 12 janvier 2024, au siège de la CENI. 11h, début de la manifestation. Et pour terminer, à 15h, heure de Kinshasa. Donc, mesdames et messieurs, lobby, vous avez la vérité. Vous avez la nuance de l'écran. Lobby. Lobby déjà, vous allez voir la partie à 11h. Na RDC Mon Télévision, soyez branchés, scotchés, lobby. Bokolanda en direct, la publication, il y a des résultats, il y a des députés, nationaux comme provinciaux. Voilà, ça c'est une information précise et surtout certaine que je vous livre, étant que journaliste, et par rapport à l'invitation que nous avons de la part de la CENI, ici, dans notre chaîne ou à notre chaîne RDC Mon Télévision. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça c'est parmi le sujet. Directement, sans pouvoir tarder, je vais entrer dans le deuxième sujet. Nangai onazolobela, makamuya investiture ya mokonzi mboka. C'est confirmé, l'investiture du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va se faire le 20, samedi 20. Donc le samedi, ça ne va pas rater. Et puis les lieux bien même précisés, ça sera au stade de martyr de la Pentecôte. L'information nous est parvenue. Et puis le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, demande aux Congolais, la mobilisation est allée au Salama et Belé. Il y a des préparatifs déjà même qui se font au niveau du stade de martyr pour le 21. Donc, Babandi déjà Misala. Misale les aliko salama déjà, ba préparatif, ba étude les aliko salama. Déjà, chaque jour, to bandako la kisabi, non, comment les préparatifs les aliko salama na niveau, il y a stade de martyrs. Donc, biso moko peut-être ko salawana, équipe nyonso ya, RDC Monde Télévision, to ko salawana pour prendre part, et puis ko informe bino ko la kisabi, non, en direct, ndengeni ni cérémonie à investiture ya mokonzi mboka. Et qu'on est à niveau, il y a stade des martyrs de la Pentecôte. Alors, par rapport à ceci, les tractations continuent. M. Kabuya a dit que ça continue à travailler. L'UDPS, comme étant une grande machine politique, a dit qu'on continue à faire la mobilisation pour que le stade des martyrs, le jour J, le 21, ait à la inonder. Les lots ont le 11. Demain, ça sera le 12. Le dimanche ici, ça sera le 14. Donc, une semaine plus tard, nous avons eu l'investiture de Mokonzi Mboka. Nous avons eu l'assisté de son nom. Nous avons eu l'assisté de Mikili à Poto. Nous avons eu l'assisté de Belgique. Nous avons eu l'assisté de Maman Thérèse Poumbou. Nous avons eu l'assisté de Maman Pauline Lumumba, Maman Présidente de l'association. Nous avons eu l'assisté de Maman. Nous avons assisté à grand événement historique, Yambo Kanabiso, quand nous allons célébrer le sixième, je pense, le sixième président de la République. Voilà. Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, sixième président. Donc, c'est dans l'histoire du Congo. Soyez là nombreux en train de participer. Vous devez être là. Tous les Congolais, l'appel est lancé à tous les Congolais. Et moi, personnellement, pour les comptes aussi, il y a RDC Monde Télévision. Je fais aussi le même message qu'a fait le secrétaire général Augustin Kabuya. Oyo asengi naba Congolais nyonso. Bazalawana et belé. Donc ça, des martyrs, ça l'a vraiment inondé. Voilà, c'est le même message aussi que donne Maman Pauline Lumumba, ou Azali, Maman Présidente et Association RDC Monde, ou Azali, pour soutenir à 100% les œuvres et les acquis du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et où Maman Pauline a présenté, sincère félicitations, dans mon Konzambo, pour la réélection naïe, brillante à l'endroit de la population congolaise. Ou Azali, message, il y a Maman Pauline Lumumba. Oya Pessi, Namokondi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Élections législatives et locales.
Ba instruction oyo Conseil d'État a pesi par rapport il y a 39 dossiers. Il y a ba candidat. Boyebi que makambu ya élection oyo ezali compliqué. Tango ba invalider 82 candidats députés. Ezana batu mususu bakenda kiko. Bakenda ko kota ba recours na bango ou bakenda ki juste. Koluka moyen ya ko se défendre. Alors, Conseil d'État a mekaka un peu ko siéger en matière ya invalidation ya ba candidat député oyo ba mekaka un peu ko atteindre institution oyo juste pour la défense na bango. Alors sur ce mesdames et messieurs, il y a 39 dossiers. Oyo, ils allaient déjà traité. Et namokolo ya lelo, batwebele groupe ya liboso, bakenda ki kokuta na ba instance judiciaire oyo, juste pour demander, pour accuser la CENI par rapport à la décision na ye, c'est-à-dire l'invalidation oyo salamaki, en dehors de l'invalidation. Le même gens là, on dit que la CENI a pris une décision sans pour autant ayo kabango ou va se défendre. Dans cette optique là, nde ba candidat invalidé ba kenda ki kwa atteindre ba institution judiciaire, c'est-à-dire le Conseil d'État pour ba statuer sur leur dossier. Alors 39 dossiers, il y a batu ba kenda ki kwa atteindre bango ba statuer ki yango. Donc il y avait 39 dossiers. Il y a Batouana Nyonso. Groupe Moussou Fé Kendaki pour réclamer autre chose. Donc, il y a une invalidation. Et il y a eu 39 dossiers. Et 11 bureaux. Il y a Conseil d'État. Il y a un peu siégé sur la situation. Il y a Bandeko Oyo. Sur ce, il y a des gens, il y a des résolutions déjà qu'on va trouver. Parce qu'il y en a qui réclament que Bazong Sabango, il y en a donc, il y a beaucoup de choses qui se font à travers ces dossiers. Mais ce que vous devez retenir, c'est que lobby, ce qui est loté, lobby, le Conseil d'État va se prononcer par rapport à la décision finale. Na Union, Seni, Alobaki, na invalidation. Parce que l'invalidation de la Seni, ça c'est. C'est une décision administrative ou administrative plutôt, parce que c'est une décision, mais maintenant ça restait maintenant batundenge batalaki basalaki betude bato bayebi makambu balobino. Nous devons atteindre aussi d'autres institutions juridiques oyo ko permettre biso bayo kabiso to sala ba défense na biso afin que tolanda procédure normale. Raison pour laquelle maintenant les conseils d'État ont statué qui n'a pas dossier, voilà, comme je l'ai dit. Et ils ont pris maintenant la décision de rendre le véridique. Si pas aujourd'hui, demain, vendredi, ça sera effectif et vous serez au courant de ce qui va se passer. Autre chose, toujours dans ce même dossier, vous savez que Ndekongo Bilazara qui a invalidé dans l'équipe, après l'invalidation, hier c'était prévu que Ngobila a présenté lettre naye ya démission par rapport à la situation et les cas qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale. Oyo ndeko Godin poi ba statua qui sur le dossier de Ngobila. Oyo ba prena qui une décision finale pour Ngobila azala déchu et que dans 24 a présenté. A présenté lettre naïe à démission afin que Azala livré à l'endroit de entre les mains de la justice. Mais mesdames et messieurs, je voulais vous informer que Ngobila lobby a kenda ki na bureau naïe. Gentini Ngobila s'est présenté dans son bureau. J'avais les images là, je ne sais pas, je donnerai ça peut-être à Francis Ogi Moye Kozala, Alex Abino. Comment équipe naïe, ba collaborateur naïe, ba yamba ki ye lobby na kati ya bureau. Bazo kumisae, bazo bete lae maboko. Bazo benga e l'homme fort. Ndeko, otozo mona eza théâtre de chez nous. C'est la vérité, c'est la réalité des choses. Ou, qu'est-ce que nous vivons? Est-ce que zali théâtre de chez nous ou quoi?
toyebite ngobila lobi akenda ina biro na ye pendant que kuna bazo senga ya présenter ba ba lettre na ye démission na 24 heures ba pesa ki ye, il a refusé catégoriquement, il n'a pas voulu présenter ces documents là mais bien au contraire lobi akenda ki na nini na 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 hôtel de ville na biro na ye akenda ko sala musala et il reconnaît jusqu'ici Gazali gouverneur Yaville province à Kinshasa. Donc tozo ebate qui a tort, qui a raison et qui est l'homme fort? C'est Ngobila, c'est Godin Poi, c'est la justice congolaise, tozo comprendre. Donc tozo toujours dans la confusion totale. Bino batozo la ndabiso toyebite. Ngobila redémissionné. Godin Poi azali au-dessus, ya makambazo sala. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que la justice doit faire son travail? Ce sont des questions qu'on peut se poser, que Bino peut beaucoup se poser. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas encore la lumière sur cette affaire de Ngobila, mesdames et messieurs. Mais retenez que, jusque-là, tu as évité. Est-ce que, du côté de la CENI aussi, deuxième liste, invalidation wana ko salama lisusu to e ko salamate parce que ba congolais ba zone de la paix deuxième liste wana ya ba invalider o ba ko ya suite o to yoki ba accusation de part et d'autre to balobi bazana besoin ba mona bazana besoin ba yoka lisusu ba kombo mususu za la cité dans cette sur cette liste là que les congolais entendent vraiment impatiemment ba congolais ba zone là. Mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la CENI va publier cette liste aujourd'hui pour nous publier définitivement la liste Yaba résultat provisoire demain, comme c'est prévu, ou c'est du théâtre? Voilà, mesdames et messieurs. Je voulais clôturer cette émission avec ce sujet ici. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salaki campagne naïe. Presque dans toutes les provinces, à Salagi campagne, il a rassuré aux Congolais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais ici, je voulais juste dire ce que pense la population de Kikwit, donc dans la province de Kwilu. La province de Kwilu, Mokondamboka, Akendaki, Kosa, la campagne, Akendaki, na Kwilu, na Maïndombepe, na Kwango. Alors, que pense cette population, Yakwilu précisément, de la ville de Kikwit? Au cours d'une sortie médiatique hier, la population de Kikwit réitère d'abord, il félicite le président Félix Tshisekedi par rapport à la réélection naïe. Et en dehors, il y a réélection naïe comme président. Cette même population, ba lobby ba sengi na mokonzi mboka, ça c'est une tranche, hein, une branche ou une tranche de la population qui demande ce que je voulais dire ici. O ba sengi na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a respecté, la première des choses, a respecté tous les engagements pris lors de sa campagne électorale. Nyonso oyo a pesa ki comme ba promesse. Cette fois-ci, population ya Kikwit. Na ebi ke ba population nyonso ya Congo mobimba eloko bazozela yango wana. Bango balobi ke mokonzi mboka nyonso a prometa ki bango a réalisé bango. La première des choses, o alobaki neti na Kikwit. Lorsqu'on lui a demandé le problème des taux du dollar américain, mokonzi mboka se alobaki ba pesa ye confiance. Bappé, ça a confiance et il va se battre, il va se couper en mille morceaux juste pour que dollar est quitta. Voilà, ils allaient qui première promesse. Deuxième des choses, Ndeko Moussous à lobby, oué ou à moko à lobby, yé, azo seng à la mokonzi mboka, a respecté promesse ou à pesa qui que gratuité y a enseignement et qu'au kendetine à école secondaire, na 5 ans ou ezali koya. Alors bien qu'on sunga batwebele parce que ba moyens ali limité misale zate batu bazali
vraiment comme ça là, Moussala Ndenge Sengelité, les gens se débrouillent, la plupart se débrouillent. Comme les gens se débrouillent, alors raison pour laquelle ce monsieur a demandé au président de la République de respecter cet engagement, apesi na ba Congolais, il y a ko kotisa gratuité et enseignement na niveau secondaire lissous. Ça aussi c'est une bonne chose. Ndeko mususu alobi pe que misale ezalite ye depuis asilisa université, il est licencié en économie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais travaillé. Alors, il est chômeur. Il a voté le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que a prometté qu'il va congolais qu'il a créé misala. Raison pour laquelle le monsieur ici a sengi na mokonza mboka, a respecté, a créé misala pour que yé na mandat oyo yé pe azwa musala a se retrouver parce que il a une famille à nourrir, il doit se marier, il a beaucoup de choses à faire pour le Congo. Et Ndeko Mususu, c'est un enseignant. Il y a peine à compte, il y a population, il y a qui quitte. À l'obi, en tout cas, et ça, la mandenga mokonjambo ka l'obaki, ba matisse la bango ba salaire, ba ndeko oyo ba zwa ka salaire, te ba zwa ba salaire, pour que équilibre à la totale, au lieu que ba député kaka ba se retrouver, mais au moins couche union sociale, et surtout, ndenga la kaki ke ako travailler sur le social des Congolais. Naba secteur nyonso et kozala malamu soki mokonza mboka asali eloko oyo. Voilà un peu mesdames et messieurs, ça c'était simplement une représentativité d'une population. On a bengi bandeko ya kikwit ne balobaki bongo, mais je vous dis que il y a beaucoup de gens, je pense c'est la volonté de tous les Congolais au voter qui président Félix Tshisekedi. Bisika nyonso atambolaki apesa ki ba promesse, mais c'est la volonté du peuple congolais. C'est le désir, c'est le vouloir du peuple congolais à respecter Nyonso Oyo, Mokonza Mboka, à Sengaki ou à Prometaki Naba Congolais pour l'avancement de notre pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était ça l'actualité à vous donner ce matin. Mais Togo continue, Togo Koba, Kope Sabino, Makanisi Moussousou, ba émission Moussousou par rapport, y'a Oyo Nyonso, Ezali Kole Kanamboka Nabiso Congo. Mais bon, retenir que lobby, rendez-vous Ezali. Lobby, lobby de lobby, seni azo panzama kambu, tozo silana. Comme tu yebaki déjà, histoire sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, Mwana Mboka. Candidat yaba Congolais, président yaba jeune, président yaba Congolais, président yaba jeune, ba lingi, pe ba, bazo ko accompagner, bazali ko soutenir. Le kola, la dynamique de jeunes patriotes. Pour conserver les acquis du président Félix Tshisekedi, où ils allaient au Kambamana Mwana Mboka, Blaise Mbenza, où ils allaient président, bangope na structure où ils allaient soutenir, Mokonza Mboka. Bientôt d'ailleurs, ça sera une sortie médiatique, il y a structure wana officielle, où ils accompagner na mandat, où Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du début jusqu'à la fin, il y a mandat na ye, pour des bonnes réalisations, pour qu'on conserve les acquis, on te suit déjà. Mais, je vous encourage à ça, la licence est belle. Merci beaucoup, tout le monde, dans l'émission Ezali Koya.